Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue, bienvenue ici en direct du Vieux Port de Cannes à l'occasion de ces 39e Régates Royales. On vous invite à nous retrouver d'ores et déjà, peut-être à rester sur internet avec le Facebook live des Régates Royales Trophée Panerai. Bonjour Jacques Flory, vous êtes le président du Yacht Club de Cannes. Bonjour Pascal Gard, vous êtes le directeur des Régates Royales de Cannes. Bonjour. Vous allez rester avec nous pour ce premier mag réalisé par les jeunes du BTS audiovisuel Cannes Carnot. Et je vous propose, avant d'échanger ensemble, tout de suite de rentrer dans le vif du sujet en compagnie de Jérôme Nutt, le principal race officer, et Karine Grenet, qui toute l'année œuvre au Yacht Club de Cannes et qui est l'assistante de Jérôme Nutt pour le côté compétition, les Régates Royales de Cannes. Qu'est-ce que c'est? Tout en détail tout de suite avant de vous retrouver sur le plateau. La 39e édition des Régates Royales cette année, c'est 86 bateaux classiques, 43 dragons, une dizaine de bateaux de jauge métrique qui vont régater pour les classiques à partir de demain, mardi. Et pour les dragons, ben, on attend que le vent se lève ce matin pour pouvoir aller régater en rade est. Le nombre de bateaux, on va en avoir environ 140. On a plusieurs catégories. En fait, on a trois zones de course. Trois zones de course sur l'eau, donc une pour une première catégorie de bateaux qui sont les dragons, série monotype, qui vont être, je pense, assez nombreux, autour d'une cinquantaine. Ensuite, on a un deuxième rond, ce qu'on appelle les métriques, sur lesquels on aura les Tofinou et les 550. Voilà, c'est encore des petits bateaux monotypes. Et enfin, le grand rond des classiques, où là, on va avoir plus de 80 bateaux qui vont de 7 mètres jusqu'à 59 mètres. On a aussi les Spirit of Tradition, ce sont des répliques de vieux bateaux, mais qui sont un peu plus modernes. Et ensuite, on a donc tous les classiques, voilà, tout le reste. C'est un travail sur toute l'année, mais bien évidemment, plus particulièrement les derniers mois. Si on va se rapprocher de l'événement, plus ça va être intense. C'est un événement international, ça vient de tous les pays. Les dragons, je crois qu'il y a une quinzaine de nationalités. Mais sur les classiques, on ne sait pas la nationalité, puisque le bateau peut être armé à Malte et avoir un équipage de nationalité internationale, on va dire. Voilà. Il y a toujours du vent à Cannes. Aujourd'hui, malgré les apparences, il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est une tendance est et il y aura toujours du vent et on pourra naviguer toute la semaine, je pense. On est 5 salariés dans le cadre du club, parce que c'est le Yacht Club de Cannes qui organise l'événement. Voilà, et donc on est 5 salariés et on est vraiment bien aidés par des bénévoles, dont le gérant de la Société des Régates de Cannes, donc monsieur Pascal Gard, le directeur, dont notre président Jacques Flory, et puis une multitude d'autres bénévoles qui sont à l'année et qui ont pris de plus en plus de responsabilités pour nous aider à créer cet événement, bah, j'espère le plus beau possible. Vous avez entendu Karine Grenet vous en parler. On a le plaisir, la joie et l'honneur de les avoir avec nous sur le plateau. Pascal Gard, Jacques Flory, vous êtes le président du Yacht Club de Cannes. C'est assez étonnant parce qu'on est là pour les Régates Royales, mais quand on regarde le programme de compétition du Yacht Club de Cannes, on se rend compte que vous organisez ici à Cannes une vingtaine de compétitions par an. Ça fait deux par mois toute l'année. Finalement, les Régates Royales, c'est une goutte d'eau dans le calendrier compétition. Et en plus, quand on regarde les résultats, on se rend compte que vous avez dans vos équipes des champions de France, des champions d'Europe, même des jeunes qui préparent les JO 2020. C'est un gros travail. Exact. Mais vous savez, le Yacht Club de Cannes a été un des plus vieux clubs de France. Et les Régates Royales, puisque c'est la 39e année que nous les organisons, maintenant, ça fait partie de nos... de toutes nos régates, mais une de nos grandes régates. Bon, on essaye bien sûr chaque année d'amener un peu plus, disons, de notre savoir-faire, de grâce avec Pascal de pouvoir animer d'une manière encore toujours un peu plus pour tous nos concurrents. Mais le Yacht Club de Cannes s'est diversifié à tous les niveaux. Ça veut dire qu'on peut organiser des régates de dériveurs, on peut organiser des régates de croiseurs, on organise des régates de tradition avec les régates royales. Et en plus de ça, nous avons une très belle école de voile avec une jeunesse qui démarre à l'âge de 5 ans ou 6 ans ou 8 ans en optimiste pour terminer en laser.
Et actuellement, nous avons deux champions, Paco et Louis Cervera, qui risquent d'être sélectionnés olympiques, qui fait pour 3 ou 4 ans de travail mené par nos moniteurs. Nous avons des moniteurs de haut niveau et nous essayons, si vous voulez, d'amener toutes ces belles équipes au maximum et leur donner les résultats qui remettent et qui sont le reflet exact de ce qu'est le Yacht Club de Cannes en France, parce qu'on a des résultats avec des championnats, mais aussi à l'international. En plus, c'est un club de plaisanciers et un des plus anciens clubs français. Je crois que le club a fêté ses 150 ans il n'y a pas très longtemps. Oui, exactement. Nous l'avions fait il y a 5 ans, je n'ai plus entendu. D'ailleurs, nous l'avions fait pendant les régates royales. Oui, tout à fait. Donc, une vraie convivialité au sein du club, de vraies performances sportives, ça doit être un petit peu le rêve. Pascal Gard, quand on arrive pour piloter une de ces 20 manifestations, bon, d'envergure, il faut l'avouer quand même, on ne peut pas comparer un championnat de France ou une coupe internationale de printemps avec ses régates royales. Karine Grenet, Jérôme Nutt le disait, c'est quasiment 20 nationalités, quasiment 1200 marins sur le quai. Tout ça, c'est des bateaux qui viennent du monde entier, mais ce sont également des partenaires d'une part et des animations d'autre part avec un village ouvert au public. Tout à fait, les régates royales, c'est un très très bel événement que j'ai le plaisir d'organiser, enfin d'animer l'équipe qui organise. Très bel événement à Cannes pour les Cannois et pour, bien sûr, pour tous les touristes qui nous font le plaisir de venir visiter notre belle cité. Et donc c'est un village avec 1200 marins, comme vous l'avez dit. Nous avons également une trentaine de stands d'exposition avec des partenaires, des artisans, des prestations, il y a même des massages, il y a un tas de choses qui pour le plaisir de nos visiteurs. Nous avons une brasserie pour justement ce qui est important pour les régates royales, c'est que c'est de l'élégance, de la compétition surtout, mais également beaucoup de convivialité. Et pour ça, nous avons des événements comme par exemple ce soir un tir à la corde pour mettre l'ambiance avec les équipages. Nous aurons au cours de la semaine d'autres événements, des soirées musicales qui sont ouvertes à tout le monde, à tous les Cannois, et que nous avons le plaisir de mettre de l'ambiance dans cette ville. Notamment, je pense qu'on va en parler avec un défilé des équipages qui aura lieu demain soir vers 18h. Un défilé des équipages qui aura lieu à travers la ville, un concours d'élégance qui aura lieu aussi en matinée, avec là une certaine forme de parade des équipages, des jolies voitures qui vont arriver vendredi, des Alfa Romeo, Ferrari et Lancia qui vont venir vous rejoindre. Et puis aussi et surtout, des beaux bateaux. Je vous propose qu'on fasse connaissance, comme chaque jour, avec un bateau. Et là, on va zoomer sur une légende. Regardez, il s'appelle Manitou. La première fois que j'ai participé aux régates sur Manitou, c'était en 2011, au classique de Monaco. Bon, c'est une yacht, c'était dessiné par Olin Stevens. Olin Stevens, il n'a jamais dessiné un bateau moche. Et j'aime bien les Sparkman and Stevens, surtout Manitou. Et il fait 18,9 mètres de longueur, 4,5 du largeur et tirant d'eau de 2,6. Bon, pour faire naviguer le bateau, ça dépend un peu si on fait les croisières. On peut le faire facilement à 4. Mais pour faire les courses, il faut au moins 10 personnes, 10 personnes. Et Manitou, il est un bon bateau de course. Il est très compétitif si on a un équipage bien, mais il a l'habilité de gagner les courses. Il a une très célèbre et très longue histoire, principalement car le président Kennedy recherchait un bateau à voile. C'était sa passion. Et il désirait un bateau classique qu'il pourrait utiliser comme le yacht présidentiel. Pendant la présidence de Kennedy, il voulait toujours être joignable et rester opérationnel depuis Manitou. Donc, il avait fait installer les toutes dernières technologies de façon à pouvoir rester en contact avec les autres dirigeants. Ceci a valu au bateau le surnom de Maison Blanche Flottante. Well, here we are below deck.
nous voici à l'intérieur du Manitou. Nous avons choisi quelques-unes des images les plus iconiques de Kennedy. Et celle-ci en particulier est une photographie que tout le monde veut imiter, avec eux à la place du président. Dans la cabine arrière, nous avons une jolie baignoire originale intégrée au plancher qui a la réputation d'y avoir vu le président divertir Marilyn Monroe quelquefois. Elle a utilisé cette baignoire. Je ne peux l'exprimer mieux que Jack Kennedy lui-même. Il a dit que Manitou était la combinaison parfaite entre aventure et sérénité. La combinaison parfaite entre aventure et sérénité, mais ça pourrait être une définition de ce qui se passe au Régate Royale, au-delà de la compétition, Pascal Gard. Manitou est un bateau qui fête ses 80 ans. On l'a entendu, hein, la Maison Blanche flottante. Il y a des belles histoires aussi, hein, le prince Rainier qui a navigué sur des bateaux qui sont là, plein de belles histoires à raconter. Manitou, il fête ses 80 ans et il fait partie d'une série de 10 bateaux qui vont être mis à l'honneur particulièrement cette année. Oui, depuis l'année dernière, nous avons décidé de fêter tous les anniversaires des bateaux à partir de 50 ans, au-delà de 50 ans, ce qui donne lieu toujours à des très très belles soirées. Et donc demain soir, nous allons rendre honneur à ces bateaux sur la Seine à partir de 19h30. Nous allons leur remettre un cadeau qui a été préparé par Dryad, un artisan de la mer, quelqu'un qui fabrique des poulies pour les vieux gréements. Et à partir de là, nous allons donc un après l'autre les appeler à venir recevoir leurs cadeaux sur la Seine. Et ensuite, nous aurons un buffet géant pour leur faire plaisir et faire une belle fête pour eux. Donc Manitou qui fait partie de ces 10 bateaux mis à l'honneur. Vous l'avez dit, hein, ils ont plus de 50 ans les bateaux. Il y en a un qui a été construit en 1897. Oui, c'est Lulu. Lulu qui fait donc ses 120 ans. Et alors je voudrais ajouter que demain matin, mercredi matin, au moment de la sortie des bateaux du port, nous allons leur rendre hommage avec tous les autres bateaux et avec notre responsable du port. Nous allons les faire sortir un par un pour qu'il y ait les cornes et les cloches ou les cornemuses leur rendent honneur un après l'autre pour la sortie du port. Ça vous aimez bien hein, pendant les régates royales. On se rappelle de cet hommage émouvant qui avait été donné à Florence Artaud aussi même manière. Oui, j'aime bien ce genre de mise en scène. C'est très très sympa. Ça met une ambiance, convivialité, une fraternité entre les marins. Et c'est vraiment des moments intéressants à vivre. Jacques Flory, président du Yacht Club de Cannes. On entend parler de Cannes un peu partout à travers la planète comme étant un haut lieu pour les dragonistes, pour cette monotypique et le dragon. Avant de retrouver Benjamin qui va nous parler compétition, qui va nous parler course, je crois que vous préparez quelque chose de grandiose en matière de dragon. Écoutez, c'est vrai que ça fait plus de 3 ans et normalement en 2019, nous devrions avoir une compétition de très haut niveau avec 150 dragons du monde entier qui viendront naviguer à Cannes. Peut-être au mois d'avril. Je pense que ça sera au mois d'avril. Avril 2017. 2019. Non, 2019. Le rendez-vous est pris. Mais je vous propose tout de suite qu'on parle de la compétition de ces régates royales, comme on fera chaque jour. On retrouve Benjamin en duplex. Benjamin. Et merci Paul-Éric de me laisser la parole. On se retrouve donc pour cette première chronique sportive qui, tout au long de la semaine, vous annoncera les résultats des courses de la veille. La journée d'hier était marquée par l'ouverture de ces régates royales 2017, avec une seule épreuve, mais pas des moindres, les courses de dragons. Alors je vous entends déjà me dire, mais de quoi il nous parle? Je viens ici pour voir des courses de bateaux, il nous parle d'animal légendaire, c'est qui ce type? Virez-le! Soit que je répondrai, attendez! Contrairement à ce que vous pouvez croire, le dragon est aussi un voilier, dessiné par l'architecte naval norvégien Johan Anker en 1929. Il est même l'un des quillards les plus prisés au monde, et notamment en France, où la Méditerranée réside principalement ici, à Cannes. Alors, ça vous embouche un coin, hein? Le lundi 25 septembre 2017, c'est donc pas moins de 44 dragons qui se sont rendus au large pour concourir et tenter de remporter la victoire. Pour cela, les équipages sont venus des quatre coins du monde. Tenez, le Liquidity, dirigé par Franklin Richard, nous vient d'Australie. Sans transition, nous allons passer au classement. C'est le dragon britannique Blue Haze qui occupe la première place, suivi de près par le Shi allemand. Vient ensuite le Storm de Brown Jonathan, vainqueur de l'édition précédente, à égalité avec le Pow Wow. Déception en revanche pour le favori russe Anatoly Lodginov qui a pris une très bonne première course, termine 14e à la seconde. Un top classement qui semble pour l'instant réservé aux équipages allemands et britanniques, alors que le premier bateau français, le Ulysse, se retrouve à la 7e place derrière le Gerdoa à 18 points. C'est tout pour cette chronique, on se retrouve demain pour la suite des événements. Je rends donc la parole à Paul-Éric en vous souhaitant une bonne émission.
Merci Benjamin. Et c'était la fureur du dragon hein, pour les fans de Bruce Lee. On va faire un spécial dédicace en tous les cas. Pascal Gare, merci. Jacques Flory, merci. On vous retrouve, hein, vous, de tôt le matin à tard le soir sur le site de ces régates royales, sur le vieux port de Cannes ou en mer. Je crois que le mieux, c'est que vous veniez nous retrouver jusqu'à samedi soir ici au Vieux-Port ou restez sur votre réseau social avec Facebook Live, Régate Royale, Trophée Panoreille. Ciao.